Alors, pour sortir du cadre du théorique, alors j'ai préparé un exemple concret pour vous montrer l'intérêt du ML pour la réalisation des projets informatiques. C'est bon? Donc, on va toucher un exemple concret. Alors, si vous vous rappelez bien de cet exemple-là avec lequel on a introduit notre cours sur les diagrammes de classe, nous avons dit que pour avoir ce genre de facture, bien sûr, on peut modéliser ce système, par exemple, qu'on peut le trouver dans un site d'achat en ligne ou bien toutes sortes d'entreprises qui travaillent avec la vente en ligne. C'est bon? Alors, nous avons dit, on pourra avoir ce système-là, qui est la réalité, qui est l'exécution, mais pour arriver à ce système-là, on doit passer la première des choses, on doit passer par une modélisation qu'on va l'implémenter en code pour arriver à ce stade-là. Alors, bien sûr, pour avoir une telle application avec cet affichage-là, alors c'est un peu, ça prend un peu du temps. Donc, je vous ai préparé un exemple juste pour vous donner un affichage sur console, mais c'est exactement presque la même chose. C'est bon? Alors, l'exemple que je vous ai montré en code Java, il est construit à partir de ce diagramme de classe. Exactement, c'est la traduction de ce diagramme de classe. Alors, ce diagramme de classe, il nous dit quoi? Il nous dit qu'un client passe plusieurs factures. Une facture appartient à un client. Et bien sûr, entre facture et produit, il y a une classe association qui est la ligne de commande. On a dit ici, par exemple, dans l'exemple qui est affiché, combien de lignes de commande on a. Pour une seule facture, on a combien de lignes de commande? 5. 5 lignes de commande, c'est bon? Donc, une ligne de commande, c'est la liaison qui lie la facture et le produit. C'est bon? Alors, pour modéliser ça avec un exemple concret, alors je vais vous montrer ça sur IntelliJ en code Java. Le voici. Alors, regardez bien l'exemple. Alors, combien de classes on a dans cet exemple? Combien de classes? On a 4 classes. Alors, un client, voici la classe client, voici ses attributs. Voici la classe facture et voici ses attributs. Voici la classe ligne de commande et voici ses attributs. Et on a la classe produit. Alors, regardez, on va commencer par le client. Ici, voici la classe client. Il a comme attribut l'ID, le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone et l'email. Donc, voici la classe client. Alors, ici, on n'a pas fait toute... ici, vous n'allez pas trouver tous les attributs, c'est juste pour faire vite, mais juste ici pour avoir une idée. On a, voici ici l'ID, on a ici l'ID et le nom. Voici les attributs de cette classe. Et bien sûr, pour la visibilité dans le sens, bien sûr, de l'encapsulation, bien sûr, ces attributs sont privés. Alors, ici, dans ce modèle-là, on a intérêt de modéliser la relation entre client et facture. On a intérêt parce que ici, la visibilité que vous allez entendre dans le domaine professionnel, ça veut dire, est-ce qu'à partir des clients, on peut voir ces factures? Oui, c'est intéressant de le savoir. Donc, il y a une visibilité, bien sûr, dans le sens professionnel. Ça veut dire, à partir du client, on peut voir ses factures. Donc, pour modéliser cette relation one-to-many, alors, pour chaque client, il a combien? Il a un ensemble de factures. Comment on peut modéliser ça en langage Java? C'est que pour chaque client, il a comme attribut, quoi? Une liste de factures. La voici. C'est bon? Donc, voici la modélisation de la classe
clients. Ici, c'est guitare et 7 heures. C'est bon? C'est puisque ici, les attributs sont privés, pour respecter le principe de l'encapsulation, on doit avoir des opérations publiques pour accéder à ces attributs. Ce sont les getters et les setters. Vous pouvez les générer automatiquement. C'est bon. Et ici, on a le constructeur. Ça veut dire, si on veut créer un objet, on le crée en lui donnant son ID, son nom, et voilà un objet de la classe client se crée. Par exemple, on donne l'ID 1 et Ahmed. Donc, nous avons créé une instance de cette classe, l'objet qui a comme ID 1 et le nom Ahmed. C'est bon? Donc, c'est ça la modélisation de la classe client. C'est bon? Et on passe à la deuxième classe, c'est la classe facture. C'est bon? Alors, la classe facture, il a comme attribut. Et bien sûr, regardez, pour la classe, oui, au niveau de la visibilité aussi dans le sens professionnel, c'est que ici, regardez, pour la classe facture, il est intéressant de savoir c'est quoi le client de cette facture. Donc, ici, on doit modéliser la relation mini to one. Ça veut dire la facture, il aura aussi comme attribut de plus le client. Donc, c'est pour cela dans la classe facture, regardez. Regardez. Donc, voici la classe facture. Il a comme attribut numéro qui est de type string, une date de type date. Et ici, pour modéliser le fait que pour chaque facture, il appartient à un client. Ça veut dire pour modéliser ce type de relation. C'est bon? Pour modéliser ça, on rajoute pour le mini to one, ça veut dire que pour chaque facture, il appartient à un client. Donc, le client, ça va être un attribut aussi de la classe facture. C'est bon? Ça, c'est la première partie de la classe facture. La classe facture, il est lié aussi à la ligne de commande. Alors, il est réellement lié à produit avec une association mini to mini. C'est bon? Mais bien sûr, entre ces deux, il y a la relation d'association qui est l'une de ligne de commande. Alors, on ne peut pas modéliser ça, garder les choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit splitter cette association en deux parties. Ça veut dire, on va faire une liaison, une association entre facture, ligne de commande et ligne de commande et produit. Ça veut dire, cette association-là, on va la splitter en deux. C'est bon? Donc, on aura une facture, elle contient combien? Une ligne de commande. Il contient plusieurs lignes de commande. C'est bon? Donc, c'est pour cela. Dans la facture, on va rajouter quoi? On doit rajouter une liste des lignes de commande. Parce qu'une facture, il contient plusieurs lignes de commande. Et une ligne de commande appartient à une facture. C'est pour cela qu'on a la relation one to many. C'est bon? On a modélisé ça. Le lien entre facture et ligne de commande. Nous avons détailler ou bien splitter l'association. Alors, dans chaque facture, pour chaque facture, on peut connaître son client et on connaît aussi quelles sont les lignes de commande de cette facture-là. C'est pour cela qu'on a ajouté l'attribut client et l'attribut liste de lignes de commande. C'est bon? Et ces opérations-là, ce sont des getters et setters. C'est bon? Ce sont des opérations que vous pouvez générer automatiquement en utilisant bien sûr votre IDE. Et bien sûr, le constructeur. Ça veut dire, pour créer une facture, on lui donne le numéro de facture, la date et cette facture, c'est pour quel client? C'est bon? Et voici l'objet facture se crée grâce à ce constructeur-là. C'est bon? Donc, nous avons splitté l'association entre facture et ligne de commande.
Alors maintenant, on passe à ligne de commande et produit. On doit aussi splitter cette association-là. Alors, une ligne de commande, il contient quoi? Combien de produits? Un seul produit. Mais un produit, bien sûr, peut appartenir à plusieurs lignes de commande. Mais cette association, dans le sens, si on est dans le produit, il appartient à quelle ligne de commande? Ce n'est pas intéressant de le savoir. C'est bon, parce que produit, ça peut appartenir à plusieurs factures, à plusieurs lignes de commande. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, on va modéliser juste le fait que ligne de commande, il contient produit. C'est bon? C'est pour cela, dans la ligne de commande, regardez. Voici la ligne de commande, la classe ligne de commande. Voici les attributs. Là, comme attribut, le ID, c'est privé, il est de type long. La quantité de type integer. Le sous-total, type double. Et là, comme quoi, comme on a dit, une ligne de commande appartient à une facture. Et une ligne de commande contient un produit. Donc, on doit rajouter ces deux attributs à la ligne de commande. Oui. Et bien sûr, oui. On n'a pas ajouté ligne de commande à facture. Ligne de commande à la À facture. facture. Si, nous l'avons ajouté. Regardez. Une facture, il a. Allez, regardez. Une facture, il a plusieurs lignes de commande. Nous avons modélisé l'association one to many. Regardez. Une facture contient si nous avons ajouté, regardez dans la modélisation, une facture, ce qu'on avait dit, est-ce que je vous ai bien expliqué? Alors, pour modéliser ce type d'association, on doit la splitter en deux. Ça veut dire une association entre facture et ligne de commande et une autre association entre ligne de commande et facture. C'est bon? Nous avons dit que dans la facture, on peut connaître son client et on connaît. Ligne de commande, ça veut dire, regardez, du côté facture, on a mini to one, et bien sûr, l'autre, on va rajouter un 1 ici. C'est bon? C'est pas seulement un. C'est one to many. Ça veut dire, la facture contient plusieurs lignes de commande, et une ligne de commande appartient à une facture. C'est bon? Vous allez la comprendre ici. Regardez. Une facture, bien sûr, regarde. Dans la facture, il a comme attribut un client. Ça veut dire, une facture appartient à un seul client. Mais dans la facture, il y a combien? Il y a plusieurs lignes de commande. Ça veut dire ici, on aura comme attribut une liste de lignes de commande dans la facture. C'est bon? C'est pour cela qu'on doit rajouter ces deux attributs-là. C'est bon? Et bien sûr, ici, c'est juste des getters, etc. Et ici, c'est le constructeur. Alors, nous étions là. Nous étions que nous avons splitté cette association-là entre facture et ligne de commande. Et on doit splitter l'autre association entre ligne de commande et produit. Un produit appartient à une ligne de commande. Et une ligne de commande, bien sûr, contient un seul produit. Donc, comment on peut modéliser cette association-là? On la modélise ici. Alors, regardez. On est dans la ligne de commande. Alors, dans chaque ligne de commande, chaque ligne, ça veut dire cette ligne-là. Combien de lignes de commande on a? Dans une seule facture, on a 5 lignes de commande, alors la facture que vous voyez. Donc, une ligne de commande, il a combien?
une facture, elle a plusieurs lignes de commande. Nous avons modélisé ça dans la classe facture. Une facture contient plusieurs lignes de commande. Et une ligne de commande appartient à une facture. C'est pour cela, on peut, à partir de la ligne de commande, on peut connaître ça, à quelle facture appartient. C'est pour cela, nous avons ajouté cette facture comme attribut à la ligne de commande. Et bien sûr, une ligne de commande contient quoi? Il contient un produit. C'est bon? Donc, nous avons ajouté ça comme attribut de la ligne de commande. Donc, ces opérations-là, ce sont des getters et setters pour accéder à ces attributs qui sont privés. C'est bon? Et là, c'est le constructeur. Pour créer une ligne de commande, il suffit de lui donner son ID, la quantité, le sous total et à quelle facture appartient et quel produit contient. C'est bon? Voilà. Alors, nous avons modélisé tout ça pour avoir à quelle fin? Pour arriver à quelle fin? Pour arriver à afficher, par exemple, les factures qui appartiennent au client qui s'appelle Ali Mahfoud. Donc, l'exécution de tout ce code-là, il va nous donner cet affichage-là. Donc, on va afficher quoi? On va afficher les factures du client qui s'appelle Ali Mahfoud. Donc voici la première facture. Il contient quoi? Il contient deux produits. Il contient deux lignes de commande. La quantité pour le produit 1, c'est 2. La quantité pour le produit 2, c'est 3. Donc voici la première facture. Et voici la deuxième facture de ce client-là. Alors pour afficher tout ceci, bien sûr, nous avons modélisé, nous avons traduit le diagramme de classe en Java. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Il reste à appeler, à afficher ça dans la classe main. Alors voici la classe main. Donc voici la classe main. Alors, la classe main, c'est la classe qui fait tourner le programme pour mettre la liaison entre toutes les classes et tous les objets. C'est bon? Alors, la première des choses. Alors, dans cette. Pardon. Alors, dans cette classe main, alors regardez la première des choses, on appelle la fonction getClient. Alors, juste, on doit se mettre d'accord sur un point. Ici, le code que je vous ai proposé ici, c'est un code dans lequel on a fait le hard code. Ça veut dire, le hard codage, ça veut dire, on crée les objets et on remplit ces objets, mais en utilisant le code. Normalement, dans un stade avancé dans la programmation, vous pouvez récupérer, bien sûr, normalement, vous devez récupérer ces données-là, à partir de la base de données, par exemple, en utilisant le Hibernate, si vous travaillez avec le langage Java. Mais ici, c'est juste pour, c'est pas ça l'objectif de cet exemple. L'objectif de cet exemple, vous montrer l'intérêt du diagramme de classe. C'est à partir du diagramme de classe, à la modélisation qu'on a fait, on a traduit cette modélisation du diagramme de classe en langage Java qui va nous donner le système modélisé. Ici, c'est un projet avec console. C'est bon? Pour vous montrer que si on donne un client, on peut récupérer ses factures. Alors, le client et les factures et les lignes de commande, ils sont hard-codés. Ça veut dire nous les avons créé dans le code, c'est pas récupéré à partir de la base de données. Quand vous allez avancer, bien sûr, dans vos cours Java, etc., vous allez faire ce travail en récupérant les données de la base de données. Alors, dans la classe main, regardez, la première des choses,
nous avons un objet client. Nous avons cet objet client, il est obtenu quoi? En utilisant la méthode get client. Ça veut dire, si on travaillait avec la base de données, alors cette méthode, elle va retourner le client qu'on lui a donné, par exemple, l'attribut 1. Mais ici, on regarde cette méthode-là. La première des choses, regarde. GetClient, il donne quoi? Il nous retourne le client qui a comme ID 1. On regarde la définition, l'implémentation de cette classe. La voici, de cette méthode. C'est bon? Donc voici la méthode GetClient. Il fait quoi? On lui donne un ID et il crée quoi? Il crée un objet client qui a comme ID 1 et qui s'appelle Ali Mahfoud. Et pour bien sûr créer ce client-là, on va appeler le constructeur de la classe client. Donc, cette classe client, il nous crée un client qui a comme ID 1 et qui s'appelle Ali Mahfoud, et il va le retourner. Le retour de cette méthode, c'est notre client qui va être stocké dans cet objet-là. C'est bon? Et avec lequel on va travailler. Donc, nous avons créé un client. Alors, si on n'a pas hard-codé cette méthode ici, on peut récupérer le client à partir de la base donnée utilisant Hibernate. Donc, voilà. Jusqu'à maintenant, on a notre client. L'objet client, il contient cet objet client-là, qui est l'instance de la classe client, il contient le client qui a comme ID 1 et qui s'appelle Ali Mahfoud. Maintenant, regardez, on est là. On est dans cet affichage-là. Facture du client ION numéro 1, Ali Mahfoud. C'est ce qui est affiché ici. C'est bon? On est là. Cette ligne-là, c'est l'affichage de cette ligne. Donc, on va afficher les factures du client ayant numéro. Regardez. On retient le numéro du client en utilisant le getter. C'est ça le rôle du getter. Pour afficher 1, on doit obtenir ce 1-là du client objet. Et puisque le ID est un attribut privé, on a utilisé le getter. Donc, c'est pour cela qu'on peut afficher le ID en utilisant les getters. Donc, client get ID. Donc, voici le ID 1 plus concaténé à quoi? Client get nom. C'est bon? Donc, le nom qu'on va retenir ici, c'est Ali Moufi. Donc, voici ce premier affichage. C'est bon? Ici, c'est juste pour faire des retours à la ligne. Regardez ici. C'est bon? On peut supprimer là. Mais ce n'est pas grave, on ne va rien supprimer dans le code. Ici, c'est juste pour avoir cet espace-là, ces retours à la ligne. Maintenant, on veut commencer. On commence quoi? Ici. Ici, on affiche quoi? On affiche l'ID de la facture et sa date. Et on affiche, bien sûr, ce tableau-là. Jusqu'à maintenant. Alors, tout ça s'affiche ici. Donc, on affiche le numéro de la facture, on affiche la date et on affiche ce tableau-là. Alors, pour afficher la facture, bien sûr, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la méthode, regardez, on va appeler la méthode getFacture. Il va nous retourner la facture du client entré en paramètre. Le client ici, c'est le client qui a comme ID 1 et le nom Ali Mahfoud. Normalement, si on a la base donnée, on va récupérer
ces factures-là à partir de la base donnée. Mais ici, on va le hard-coder en utilisant la méthode getFacture. Alors, on va voir la méthode getFacture, elle fait quoi? Voilà. Alors, voici la méthode getFacture. Alors, la méthode facture, il fait quoi? Il nous retourne les factures de clients entrées en paramètres. C'est bon? Notre client, c'est Ali Mahfoud qui a comme ID 1. Alors, la première des choses, ici, c'est le hard codage. On va créer deux objets, deux produits. Le produit 1, il a comme ID 1. Le nom, c'est iPhone 10 et la valeur, c'est 14 000. On a créé un deuxième objet, c'est le produit 2 qui a comme ID 1 et comme c'est le AirPod 2 et il a comme valeur 3 000 dirhams. C'est bon? Donc nous avons créé ces deux produits-là. On va créer une première facture. Alors voici, les deux produits sont créés. Maintenant, les deux produits sont créés. Maintenant, on crée la première facture. Alors, pour créer une première facture, on donne son ID, sa date et c'est pour quel client. Parce que ici, on a le constructeur de la facture pour le créer. Pour créer une facture, il faut donner son numéro, la date et c'est pour quel client. C'est bon? Donc voilà, nous avons créé l'objet facture. Il reste à quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Une facture contient quoi? Regarde, une facture contient quoi? Contient plusieurs lignes de commande. C'est bon? Donc, on va créer des lignes de commande qui vont appartenir à cette facture. Ici, la facture qu'on a créée, c'est la facture 1. C'est l'objet facture 1. Et on a dit une facture, grâce à la modélisation, une facture, après avoir splitté l'association, il contient plusieurs lignes de commande. On va créer des lignes de commande. Donc, voici la ligne de commande. On crée le premier objet. Alors, pour le créer, on doit donner son ID, sa quantité, le saut total et appartient à quelle facture. Et bien sûr, c'est quel produit. Donc, voici la première ligne de commande. Il contient le produit 1 qui appartient à la facture 1 et qui a comme saut total 28 000 dirhams parce que la quantité ici, c'est 2. C'est bon? Donc, nous avons créé la première ligne de commande et on va créer la deuxième ligne de commande. C'est bon? Nous avons créé la deuxième ligne de commande, son ID, la quantité c'est quoi, le saut total c'est quoi, il appartient à quelle facture? Il appartient à la facture 1 et il contient le produit 2. Donc, voilà, nous avons créé facture 1 et nous avons créé les deux lignes de commande. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à créer une array list qui va contenir ces lignes de commande. C'est bon? Donc, voici cette array list qui va, puisque c'est une liste de lignes de commande, elle doit être contenue dans une array list. Donc, voici la première. On a ajouté la première ligne de commande à cette array list et voici la deuxième ligne commande, nous l'avons ajoutée. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait le set. Alors ça, après avoir ajouté ça, le array list ici, c'est quoi? C'est la liste des commandes qui sont contenues dans la facture 1. Parce qu'on a dit une facture, il contient une liste des lignes de commandes. Donc voici notre facture 1, elle est prête. C'est bon? Donc, maintenant, notre facture 1, elle est prête et pleine. Elle contient le iPhone 10 avec 2 et le AirPod avec 3. 3 quantités. Maintenant, on crée la deuxième facture. On va faire la même chose. On instancie l'objet facture en spécifiant son numéro, la date et pour quel client. Et on crée deux lignes de commande. Cette fois-ci, la première ligne de commande, elle contient quoi?
et contient les mêmes produits, sauf la quantité qui change. C'est bon? La quantité qui change. Ici, c'est 1-1. Donc, voici les deux produits sont créés. Les deux lignes de commande sont créées. Nous avons créé les deux lignes de commande. Il reste à les ajouter dans la facture 2. C'est bon? Donc, voilà notre facture 2. Il contient les deux lignes de commande. C'est bon? Donc, les deux factures sont prêtes. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans la modélisation, nous avons dit que un client, il peut avoir plusieurs factures. C'est bon? C'est pour cela qu'on va créer une ArrayList qui va contenir les listes des factures de ce client-là. C'est pour cela qu'on va ajouter à cette liste-là la première facture et la deuxième facture. Et voilà, on fait client, set, facture, facture client. Ça veut dire, ici, pour attribuer une valeur à la liste des factures de client, on utilise le setter. Et voilà, nous avons, en quelque sorte, rempli l'attribut qui contient les listes des factures. Alors voilà, les listes des factures sont prêtes. Donc voilà, et on va retourner les factures de client. Alors, tout ce travail-là, il est traduit ici par le fait que cette facture-là, cet objet-là, en utilisant la méthode getFacture, il récupère quoi? Il récupère toutes les factures de clients données en entrée. C'est bon? Donc, cette facture-là ici, on revient dans le mail. On récupère les factures des clients et on commence à les afficher. Pour les afficher, bien sûr, on va utiliser des boucles. C'est bon? Et on va faire les boucles sur la ligne de commande. C'est bon? Dans chaque ligne de commande, on récupère la quantité, on récupère le saut total et on récupère le nom. Le nom, regardez, ligne de commande, get produit, get désignation. C'est bon? Parce que pour chaque produit, chaque ligne de commande, il contient un produit. C'est bon? Et voilà, les deux boucles, ça nous donne exactement cet affichage-là. Et voilà, nous avons pu afficher les factures de clients Ali Mahfoud. C'est bon? Donc, vous voyez, c'est quoi l'intérêt de la modélisation? À partir de cette modélisation-là, il nous a aidé à l'implémenter en langage Java. En langage Java pour réaliser ce mini-projet-là qui nous permet d'afficher un client, les factures d'un client. C'est bon? C'est pour cela que le diagramme de classe il est très très important dans la modélisation. C'est pour cela, dans un projet informatique, une bonne conception, il facilite beaucoup le travail parce que c'est la base du travail. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a juste traduit le diagramme de classe en langage, en code Java. Donc, si on a une bonne conception, on aura une bonne programmation. Ça va être plus facile et plus rapide à faire. C'est bon? Donc, c'est ça l'intérêt du diagramme de classe. Oui, est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, je peux vous envoyer cet exemple-là, comme ça vous pouvez le tester. Ça vous aidera à comprendre l'intérêt du diagramme de classe et comment on a passé d'un diagramme de classe en langage Java. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que vous avez installé comme IDE pour le langage Java dans votre module Java? Eclipse. Eclipse, on ne travaille pas avec IntelliJ, non?
Non, madame. Ça revient même, c'est presque la même chose. Donc, si vous travaillez, je vais vous envoyer le dossier source. Il suffit de copier source dans le dossier source. Ce dossier-là, CRC, je vais vous l'envoyer. Il suffit de le copier dans le CRC et faire tourner le projet. Et comme ça, vous aurez le programme. C'est bon? Alors, en répondant juste à une question qui a été posée la dernière fois, alors regardez pour les attributs. Pour les attributs, vous m'avez dit, madame, c'est quoi la différence entre integer et int, c'est ça? Quelqu'un m'avait posé cette question. Alors, regardez ici, pour la quantité, nous avons donné comme type, c'est integer. Alors, c'est quoi la différence entre integer et int? Integer, c'est un objet. C'est un objet qui a des méthodes, qui a des attributs, etc. Mais le int, c'est le type primitif. Il a juste int, il a le nom int et une adresse, une place dans la mémoire. C'est le plus petit type, le plus, si vous voulez dire, c'est un type primitif. C'est le plus petit. Mais integer, c'est quoi? C'est l'objet. Mais il représente la même chose. Alors, si vous remarquez dans la classe min, pour accéder à ces valeurs-là, regardez, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a le client, c'est ça? C'est int ou long, regardez, toutes les types qui commencent avec un majuscule. Ici, long, string. Alors là, ce sont des objets. Alors, regardez, pour y accéder, je ne trouve pas un exemple. Alors, regardez ici. Alors, pour afficher le 1, alors qu'est-ce qu'on fait? Non, ici. Je vais me contenter de ça. C'est le même principe. Que ce soit pour long ou pour integer, c'est la même chose. Alors, regardez. Pour dire que le client, donnez-moi le client qui a comme attribut 1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait long point value of 1. Nous avons utilisé une méthode. Regardez. On n'a pas écrit directement 1. Alors, si on avait le type primitif, on peut écrire directement 1. Mais ici, nous avons utilisé l'objet là. Pour y accéder, il faut utiliser les méthodes value of qui sont dans l'objet long, que ce soit value of pour long, soit pour string ou bien integer. C'est bon? Alors, vous pouvez voir ça en détail avec dans votre module de Java. Alors, je vais vous envoyer le projet, comme ça vous pouvez le tester et donner et voir qu'est-ce que ça donne. C'est bon? Donc, c'est clair, j'espère. Oui, madame. Oui, madame, merci. Donc, vous voyez l'importance. Donc, c'est pour cela la conception dans un projet informatique, c'est très, très important. Très important. Un bon concepteur, ça facilite le travail des programmeurs. Parce que ici, qu'est-ce qu'on, c'est juste, c'est la traduction de ce modèle-là nous a donné ce programme-là. C'est une traduction, traduction presque pure et dure. C'est bon? C'est juste, il faut avoir du bon sens pour voir les différentes associations. Nous avons traduit ça et nous a aidé à donner ce projet-là. Même si en console, vous pouvez l'améliorer bien sûr en récupérant les données de la base de données ou bien faire un affichage avec des interfaces. Et si on s'est contenté à cet instant-là, c'est juste pour l'affichage console. C'est bon?